dream is to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see it shine. Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien, c'est Fionix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un tout nouveau défi et c'est celui de détruire des structures avec des explosifs télécommandés. Vous pouvez voir que vous devez détruire 25 structures pour valider votre défi et moi je vais tout simplement vous montrer où trouver des explosifs télécommandés et tout simplement déjà aussi vous montrer à quoi cela ressemble les petits pods. Donc on va directement aller en game, avant toute chose n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à rejoindre mon serveur Discord, il y a celui-ci et la description. Sur ce, on se retrouve en game. Ok les petits potes, nous sommes devant un PNJ qui nous vend des explosifs télécommandés. Alors cela, c'est un coup de chance parce que voilà, c'est pas souvent que les PNJ en vendent. Bien évidemment, ce sont des objets également qui se trouvent au sol, dans les coffres, etc. Alors ici, c'est quand même l'experte Décala qui se situe au camp que d'œil qui me les vend. Donc voilà, si vous avez flemme de chercher et si elle est ici, n'hésitez pas à venir les acheter. C'est pour 774 de gold, vous pouvez en avoir 3 en une fois du coup, voilà. Je prends mes petits explosifs, je vais les prendre juste ici, voilà, on va même faire ça comme ça. Et en fait, tout simplement, il faut les poser. Alors vous voyez, si vous appuyez ici, c'est ma touche pour viser, va tout simplement faire exploser, et ma touche du coup pour tirer, ce sera ma touche tout simplement pour lancer sur les structures. Donc vous voyez, comme ceci, et vous devez tout simplement faire péter 25 structures. Donc voilà, j'ai fait péter avec un explosif. Vous pouvez voir que j'ai fait péter 6 objets. Donc je vais relancer. Je suis déjà à 9. Ça va quand même déjà vite. 15 même. Et ici, on peut voir que je suis à 24. Est-ce que j'ai eu de la chance? Non, j'ai pas de chance. Je suis à 24 sur 25. Non, mais là, j'ai vraiment pas de chance. C'est horrible. Donc je vais essayer de retrouver des C4 pour pouvoir vous montrer la fin du défi. Et voilà les petits potes, vous pouvez voir que le défi du coup c'est validé parce que j'ai réussi tout simplement à faire péter une boîte. Donc bien évidemment une structure, ce n'est pas spécialement des structures adverses ou des murs, etc. Ça peut bien évidemment être des bêtes trucs comme par exemple une boîte. Et voilà les petits potes, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura été utile. En tout cas moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Hasta luego, c'était Furo.